Oh la vache. Oh la vache, je pense qu'on peut le dire. Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, pour ma part ça va nickel, je perds ma voix, je suis très content, aujourd'hui on va transporter du fromage. Voilà, le fromage c'est la vie, y en a qui n'aiment pas le fromage, c'est pas grave d'ailleurs. Attendez, alors dans cette vidéo j'ai tellement de choses à dire, des trucs sérieux. Et du coup là ça me fait penser à des trucs à la con à vous dire. Mais on va essayer d'avoir le... je pense qu'on aura le temps parce que le trajet d'aujourd'hui les amis... on est à Egeskov, à côté d'Egeskov, dans une ferme, les pâturages. On va prendre cette route près de Perigna, tac tac tac, un point d'interrogation, il y a des virages qui nous attendent. Arlandis, et puis on va aller à Rivenchy, voilà, pour transporter du fromage. On va évidemment passer par les points d'interrogation, bon ça on verra sur place. Et on va arriver à Rivière-Sens, donc on a vraiment un beau trajet. Et on se rapproche de plus en plus évidemment de là-haut, de Krauter-Yersheim, etc. Donc voilà, on va vraiment s'amuser avec ce Renault pour cette nouvelle mission rapide. Je compte sur vous évidemment pour bombarder la part de pouces bleus. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur Euro Truck les amis. On n'a pas atteint le record de la dernière vidéo, donc je suis un petit peu triste, mais c'est pas grave, c'est pas grave, sans rancune. Attendez, donc je compte sur vous évidemment pour rebombarder la barre de like. Écoutez, j'ai compris, vous êtes un petit peu timide, donc je vais vous demander 200 pouces bleus. Voilà, parce que je sais que les 200 vous y arrivez, c'est après que ça devient un petit peu plus dur. Donc les gars, 200 pouces bleus et on se remotive à fond. On va baisser un petit peu la vue au niveau des rétroviseurs. J'ai un petit problème là, ce que je suis en train de voir, ça ne me plaît pas, donc je fais ça très rapidement. Ça va aller bien vite. Et le rétroviseur droit, hop, on le rabat un petit peu vers la gauche et normalement on devrait être très très bien pour partir. Alors les amis, j'ai installé un mode graphique et j'ai installé un reshade. Je suis très content, j'espère que ça va rendre bien sur la vidéo. En tout cas moi, pour moi, de mon expérience, visuellement c'est vraiment génial. C'est vraiment génial. Donc les gars, mais attendez, mais pourquoi l'angle de vue il est nul à chier? Je suis désolé, on va augmenter le POV et remonter la tête. Oui, je me suis peut-être un peu enflammé, je suis désolé. Voilà, on est plutôt pas mal. Et on est parti pour transporter donc du fromage hein. 18 tonnes de fromage. D'ailleurs très sympa, le patron il m'en a offert. J'ai pas de GPS intégré. Oh. Oh. Oh, c'est dommage. Mince, la sortie elle était là. Alors j'ai un peu mal calculé mon coût pour cette vidéo, je suis désolé. En fait faut savoir que L7C Fox il a fait un concours. Un super concours pour gagner donc un DLC, donc un des nouveaux DLC de Euro Truck. J'ai mal calculé mon coût, je voulais justement vous en parler pour faire sa promo pour que vous puissiez aller participer. Sauf que le jour où vous verrez cette vidéo, bah, ce sera le jour où les gagnants seront annoncés. Voilà, j'ai un petit peu foiré mon move et j'en suis désolé, je me sens un petit peu débile. Donc voilà, aujourd'hui vous avez le nom des gagnants qui est partagé. Voilà, donc je pense que c'est un petit peu trop tard en tout cas. Mais voilà, comme ça vous le savez et ça me fait très plaisir bien sûr. Attendez, j'ai les pleins phares d'activer là, je rêve pas. Voilà, ça me fait très plaisir de revoir Fox et Miss d'attaque. Vraiment leur dernière vidéo elle est incroyable. Bah du coup probablement qu'il y en a une nouvelle entre temps qui sort aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va bien rouler, on va bien discuter. Juste pour finir la parenthèse du fromage, voilà, comme ça je vous dis une petite connerie avant de dire des choses sérieuses. Le jeu est beau, j'espère que c'est pareil en vidéo. Vraiment, j'espère que la vidéo est pareille. Vraiment, oh là là. Les reshades c'est le meilleur truc. Même pas besoin de mode graphique quoi. Ça fait tout quoi. Ça fait vraiment tout. Alors j'ai aussi installé quelques petits modes graphiques au niveau des lumières et au niveau de la pluie. Mais donc voilà. Oui, donc juste pour parler de fromage, je suis tombé, j'en ai parlé en live sur Twitch pour ceux qui me suivent. Je suis tombé sur un... alors j'allais dire un TikToker, non. Je suis tombé sur un raffineur, un fromager qui raffine donc le fromage. Peut-être que vous connaissez sur TikTok, il fait plein de vidéos. Et justement il est là, il présente du fromage, il découvre des fromages industriels. Mec, j'en peux plus, je tombe sur lui. Genre à minuit, 1h du matin, vous me connaissez, je descends en bas, il faut que je me cherche un fromage quoi. 1h du matin, il me donne envie de manger du fromage. Alors il y en a qui aiment pas le fromage et pour eux ça leur fait rien de voir ces vidéos sur TikTok. Moi à chaque fois que je le vois, avec ses grosses mains là, tu le vois, il prend le grand fromage bien avec la croûte et tout. Mec, voilà, je me suis donné faim juste en parlant. Le fromage c'est la vie les gars, que voulez-vous? Dites-moi en commentaire, il y en a qui kiffent le fromage par ici? Et quel fromage vous kiffez le plus? Faites votre top 3, tiens. Et dans les commentaires, je veux voir le top 3 de vos fromages préférés en même temps de rouler sur cette route qui est vraiment... Mais mec, mais c'est merveilleux! Mais c'est merveilleux! Non, là je suis en... Là je suis... Alors là, les gars, je pensais pas que j'allais autant kiffer les graphismes et le gameplay. Non mais c'est incroyable ce qui se passe. Oh s'il vous plaît, dites-moi que c'est... J'espère vraiment que dans la vidéo c'est pareil. Parce que sinon vous allez me prendre pour un teubé. C'est magnifique. Alors en plus la route elle est vraiment incroyable. My goodness, comme d'habitude, Grand Utopia toi-même tu sais. Mais alors en plus là avec les reflets lumineux, l'herbe, tout, la forêt comme elle est faite avec les reshades. Non, non, c'est vraiment masterclass. C'est vraiment masterclass. Une petite vue. D'accord, faut pas faire ça. Incroyable.
Incroyable, c'est un très bon spot par ici. Ah, je vous le dis, c'est un très bon spot. La France, bien sûr, qui a gagné. Bon, pareil, maintenant, c'est un petit peu, ça date un petit peu. Donc là, la France qui va jouer à la Coupe du Monde dimanche, je crois, ou samedi à 20h, je ne sais plus. Je me suis remis au Paris Sportif. Voilà, je pense que j'ai bien fait. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est cette image-là, les gars. Elle a fait beaucoup le tour, beaucoup de mèmes. Mec, incroyable. C'est tellement beau. C'est tellement beau ce qu'ils ont fait dimanche dernier. Incroyable. Même moi qui suis pas trop. Si, bon, j'avoue, la Coupe du Monde, voilà, mais. Je suis pas un fouteux quoi. Je suis pas un fouteux, mais alors ça par contre, waouh. Waouh. Ça c'est quelque chose qui reste dans les annales. Hein. C'est quelque chose qui reste dans les annales. Giroud, Mbappé, pétez-moi le cul. Pétez-moi le cul. Donc voilà, en tout cas, voilà pour un petit peu le retour des actus. Ça fait depuis combien de temps que j'ai pas fait de vidéo Euro Truck, je ne sais plus. En tout cas, voilà. Je peux également vous teaser que la vidéo setup que je vous prépare, vous savez, vous m'avez demandé la vidéo setup, eh bien, elle est terminée à 30%, je dirais. Elle devrait arriver avant la fin de l'année. Enfin, voilà, en cette fin d'année, elle devrait arriver. Donc, fin 2022, là, vous devrez avoir la vidéo setup sur la chaîne YouTube. Donc, je compte sur vous un maximum. Là, bientôt, là, dans quelques jours, vous aurez une vidéo anecdote paranormale de mes abonnés. Et puis, voilà, tout simplement, il y a pas mal de petites choses qui font plaisir, qui arrivent sur YouTube, voilà, qui changent un petit peu de tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, plutôt que de faire que du Eurotruck. Donc, ça fait plaisir. J'espère que vous serez au rendez-vous entre cette vidéo paranormale et la vidéo setup. A noter que ceux qui ont peur des fantômes, ceux qui ont peur du paranormal, normal, sachez que moi aussi, je préfère vous le dire, je n'aime pas jouer avec ça. Donc voilà, la vidéo ne fait pas peur, la vidéo met dans l'ambiance. Évidemment, si vous regardez ça à minuit, ça peut vous faire quelque chose, mais vous inquiétez pas, la vidéo elle fait pas peur. De toute façon, à partir du moment où vous voyez ma tête, bon, vous devez être à peu près rassuré. Voilà, donc wow, mais je suis jamais passé là, moi. Wesh, c'est serré là un peu quand même, hein. Waouh, waouh, ah ouais, non, c'est fort. Ah ouais, non, c'est fort. Je sais plus c'est quoi la touche pour faire des photos, dommage. Dommage, dommage, j'ai oublié la touche. Non, j'ai oublié la touche pour faire des photos rapides. Dommage. Très stylé en tout cas. Très stylé cela dit, dommage qu'il n'y ait pas le GPS intégré sur le camion. Ça aurait été encore mieux niveau immersion, mais bon. On va se contenter de ce qu'on a. Et on rentre donc dans Pérignat. On rentre dans le Périnée. Donc là évidemment on va éviter de foutre le bordel. Ah ouais, ça va être très serré là. Ça va être très serré. Regarde la taille. Regarde la taille du stop. Regarde la taille que je prends. Ah, incroyable. Allez, je vérifie plusieurs fois, c'est beau. C'est beau par ici. On enchaîne à droite. Oula, ça va être chiant. Ah, et toi aussi tu prends large. On aurait pu synchroniser quand même, monsieur. C'est bien dommage. Et là ça passe. Vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt. Let's go. Let's go le point d'interrogation, attendez. Comment on fait pour y aller? Je sais pas où il est. Mais je crois qu'il faut aller tout droit. Oui. Ça se passe ici. Ok, j'ai un peu monté sur le trottoir, mais rien de bien méchant. Attendez, il y a une cinématique, les gars. Est-ce que vous kiffez ma conduite ou pas, là? Ok, elle est là. Attends, on va éviter d'écraser le monsieur. Voilà. Trop bien. Je kiffe ce qui se passe, je kiffe ce qui se passe. Et du coup, cinématique de Pérignat, les amis, on découvre ça maintenant, c'est pour vous, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Voyons voir ce qu'il nous a préparé. Moi, je me souviens plus de tout ça, hein. Je pense que ça fait partie des nouveautés, entre guillemets, pas forcément d'il y a quelques jours, mais moi, ça fait quand même longtemps j'ai pas non plus fait du Grand Utopia, donc pour moi, ça reste quand même de la nouveauté, avec les montagnes de Volvic derrière, bien évidemment, vous l'aurez compris. Voilà, le camion, vous l'avez vu sur l'autoroute, qui roule tout à gauche alors qu'il n'y a absolument personne, c'est totalement logique. Le rond-point qu'on vient de prendre, le cycliste sur le trottoir, c'est 35 euros d'amende. 135 euros d'amende. Voilà, le centre de Pérignat par là-bas. Oh là là, le petit lac. Oh là là. C'est Gérard Mer. C'est Gérard Mer, pardon. Excusez-moi. Excusez-moi. On dit Longemer ou Longemer alors? Bande de. Ok? Hein? Oh! Excusez-moi les Vosgiens. Très joli, très joli, j'ai envie de sauter dans l'eau. Bon là elle doit être fraîche. Mais c'est pas grave. Moi j'aime bien quand elles sont fraîches. Les eaux. Bien sûr. Voilà, là bah, le pont qu'on vient de traverser, magnifique. Super chouette. Super chouette, un petit screen. Hop, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. J'ai fait planter le jeu. Non, c'est bon. J'ai cru que j'avais fait planter le jeu. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Bon, l'usine là, un peu moins jolie quand même. Ah, c'est pas bien ça. C'est de la fumée toxique qui sort, hein, c'est bien connu. Voilà, on y va. Je remets le contact.
De quoi, de la condensation d'eau? Qu'est-ce que vous racontez? Non, 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 non. Non, non. Faut qu'à chaque vidéo Eurotruck, je me mette dans la sauce en disant des conneries quand même. C'est absolument terrible. C'est absolument terrible. Bon, les amis, je vais vous courir après parce qu'il y en a qui ont pas vu probablement ou qui n'ont pas compris. Donc, je vais tout vous expliquer. Les amis, pour cette fin d'année, j'ai envie de faire une vidéo très sympathique. Au-delà de la vidéo setup et de la vidéo paranormale. J'ai envie de faire une vidéo très sympathique, même mieux que ça. Je veux que ce soit sur cette chaîne YouTube, mais je veux que ce soit votre vidéo. En gros, j'aimerais que ma toute dernière vidéo de l'année... Attendez, parce que là, angle mort, bonjour. Ok. J'aimerais que ma toute dernière vidéo de l'année, ce soit la vidéo de la M-Compagnie, la vidéo de la communauté. Voilà, la vidéo de vous, les hommes de l'ombre, et pas que de l'ombre, qui regardent mes vidéos et mes lives. C'est-à-dire, j'aimerais... Mais c'est quoi ton le concept, c'est que tu fasses 20 fois le tour jusqu'à ce que tu t'épuises ou ça se passe comment là? Il est sacré cycliste. Bon bah c'est bien, il faut s'amuser dans la vie. Hop. J'aimerais vous demander en mariage. Non, j'aimerais que vous vous filmiez avec votre téléphone, hein, on s'en fout. Vous vous filmez où vous voulez, avec qui vous voulez, dans la situation que vous voulez. D'ailleurs, si vous voulez même pas vous montrer, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez, si vous êtes, je sais pas, moi, dans la forêt, c'est l'exemple que je donne, mais si vous pouvez filmer la nature, les nuages, vous pouvez filmer votre écran d'ordinateur devant de mes lives. Voilà, vous pouvez filmer ce beau lac, par exemple. Oui, si vous êtes au bord d'un lac, vous pouvez filmer. Je veux juste que vous m'envoyez une vidéo, en fait, peu importe, mais c'est toujours sympa si on vous voit. Mais si vous voulez pas qu'on vous voit, il n'y a pas de problème. Et en gros, vous vous filmez et vous dites pareil, ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Juste, le truc que je vous demande, c'est au moins de souhaiter la bonne année. Parce que la vidéo sortira vraiment le dernier jour de l'année. C'est vraiment la dernière vidéo de l'année. Donc, vous souhaitez une bonne année. Voilà, aux abonnés, à la même compagnie. Et vous dites et vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes timide ou que vous avez la flemme ou que vous n'avez pas d'idée, vous pouvez juste vous filmer 5 secondes et dire, voilà, bonne année tout le monde. Vous dire votre pseudo, voilà. Salut, c'est Nanani. Je vous souhaite une bonne année. Tout comme vous pouvez vous filmer pendant 3 minutes à raconter votre life, à dire ce que vous faites, à donner vos projets pour 2023 peut-être, à souhaiter tout le bonheur du monde bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Tous vos souhaits, vos bonnes résolutions. Bref, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, dire ce que vous voulez. Le plus important c'est de souhaiter la bonne année parce que c'est le principe de la vidéo. Et donc voilà, vous m'envoyez ça en message privé sur Twitter, sur Instagram, sur Discord, c'est comme vous voulez. Vous pouvez m'envoyer ça par WeTransfer, n'importe quoi. Pardon, j'avais les pleins phares. Je sais pas comment je fais sur Fire Express, je mets les pleins phares, je suis nul. Oh, et on va prendre des beaux virages. Donc voilà, vous m'envoyez ça avant le 23 décembre, s'il vous plaît. Pas le 23 décembre, hein, vraiment avant le 23 décembre, ce serait génial. Et la vidéo finale, donc en gros, il y aura toutes vos vidéos à vous où vous nous souhaitez la bonne année, où vous souhaitez la bonne année à tout le monde. Ou peu importe, il y en a qui vont forcément troller, il y en a qui vont être très sérieux, il y en a qui vont faire des blagues. Justement, c'est la vidéo de la communauté, peu importe ce qui se passe, c'est votre vidéo. Et je vous laisse libre, évidemment dans le respect, hein, sinon il n'y aura pas. Mais je vous laisse libre de faire tout ce que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui vont se filmer ou faire une vidéo vlog de 3 minutes à leur lycée par exemple, tu vois. Enfin je sais pas, j'ai des conneries. Donc bref, peu importe ce que vous faites, peut-être dans votre camion. Ah ça ce serait stylé, des routiers. Franchement si les routiers vous le faites, vous êtes des boss. Les routiers qui se filment dans leur camion à souhaiter la bonne année à la même compagnie. Ceux qui vont faire ça, vous êtes des cracks ultimes. Parce que ça va bien représenter la communauté Eurotruck. Ça ce serait beau les gars. S'il n'y en a pas un qui se filme dans son camion, je vais être très déçu. Donc voilà, je compte vraiment sur vous, peu importe comment vous le faites, combien de temps, c'est votre vidéo. C'est votre vidéo, ça sortira à la fin le 31 décembre avec tous vos extraits. Donc vraiment, je compte sur vous. J'espère que vous avez compris parce que quand j'ai eu cette idée et que j'ai publié sur les réseaux ce concept, j'ai l'impression que tout le monde a liké, mais personne n'a réagi, personne n'a envoyé de vidéo et personne n'a compris en fin de compte. Tout le monde est invité à le faire, tous les abonnés, tous mes acolytes. Je veux plus courir après les gens parce que je veux que ça vienne de vous, sachant que bah, je le propose déjà. Mais vraiment, vous êtes tous invités, il n'y en a pas un qui n'est pas invité. Hein, même si vous regardez une vidéo sur 20, vous êtes invité à. Vous faites partie quand même de la communauté. Donc vraiment, les gars, je compte sur vous. Je suis en train de déborder sur la route. C'est vraiment pas sérieux, mais profitons de cette vue de Arlandis. On est littéralement. On se croirait même pas sur Grand Utopia, on se croirait sur MyGotopia. Vous savez, l'univers un peu américain que MyGodness kiffe. Bah en fait c'est qu'on se dirait vraiment dans un endroit un peu américain. Là ça fait pas très France je trouve. Enfin peut-être si ça fait les montagnes justement, mais c'est magnifique quoi, justement c'est magnifique. On se croirait plus sur American Truck, mais version riche, parce que je rappelle que sur American Truck on se fait chier. C'est beau le passage d'eau qui vient de passer là. Voilà, j'espère que vous m'avez compris pour la vidéo de fin d'année. J'espère vraiment que vous allez jouer le jeu. Vous filmez où vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez. Vous m'envoyez jusqu'au 23 décembre.
Ça peut durer 3 minutes, ça peut durer 5 secondes, juste bonne année. Et vous dites ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Je sais pas, moi, il y en a qui vont forcément, je sais pas, moi, qui vont se filmer en train de soulever des haltères. Je sais pas, j'en ai aucune idée. C'est vous, c'est votre vidéo, c'est ce que vous faites. Voilà, peut-être que, bah, l'idée du camion, c'est parfait pour les routiers, mais peut-être que, s'il y a une classe en cours qui arrive à filmer toute sa classe et que toute la classe avec le prof dise bonne année la M compagnie, mec, je fais ça, je... Mais bon, voilà, vous avez l'idée, vous faites ce que vous voulez, même si c'est juste bonjour, moi je suis Nanani et je vous souhaite une bonne année, c'est parfait. Voilà. Oh, les virages qui nous attendent. Oh là là, les virages qui nous attendent. On a déjà fait cette route, je m'en souviens, bien sûr. Dans l'autre sens, me semble-t-il, non? Non, on a fait ça sur American Truck avec My Godness, justement. C'est une route qui me fait penser à... Donc non? Non, non, du tout. Ok, c'est trop stylé. C'est vraiment trop stylé. Pour moi, je suis jamais venu là. Et tant mieux, c'est de la redécouverte. J'espère que vous kiffez cette découverte. Peut-être que vous redécouvrez également. Peut-être que vous connaissez déjà. Peut-être que hier, vous avez roulé et que vous avez déjà pris cette route. Mais voilà, c'est vraiment super stylé par ici. Hein. C'est vraiment super stylé. On se fait le plein de cinématiques dans cette vidéo. C'est vraiment cool. Donc voilà. Bon mercredi à vous. Puisqu'on est mercredi au moment où la vidéo sort. N'hésitez pas, comme dit, à aller voir la chaîne de L7C Fox. Puisque normalement, aujourd'hui, il y a aussi une vidéo qui sort sur sa chaîne. J'ai vraiment mal calculé mon coup. Je suis désolé. Hop! Et on redémarre. Et ça part. Par contre. Tout va bien. Allez, j'ai pas de ralentisseur. Ouais, j'ai pas de ralentisseur, donc je vais avoir un peu l'air con. On va faire gaffe parce que ça ne fait que descendre et ça ne fait que tourner. Donc on va essayer de faire ça bien. Hein. Ce serait dommage de retourner le fromage. Hop là, voilà. Bah pareil, il y en a forcément qui va se filmer pour la bonne année et qui va manger du fromage. S'il y en a un qui me fait une dégustation de fromage, excellent. Excellent, excellent. Donc voilà, hop. Dans les rochers, messieurs, dames. Non, on va éviter d'arracher un rocher quand même. On vérifie bien pour qu'on puisse... Oh là là là, ça c'est le truc normalement. Le coup de volant que je viens de mettre. Moyen ça, moyen. Allez, on arrive aux abords d'Arlandis. Tarlandis. Pour ceux qui me demandent le nom du Reshade, je crois qu'il est écrit là. Real Life Shader, donc la vraie vie shader. Je sais pas si c'est ça le vrai nom. J'essaierai de voir pour le mettre dans la description, mais vous me connaissez, je vais oublier. Mais après, si vous avez pareil des idées de magnifiques reshade, n'hésitez pas à me les soumettre en commentaire, comme dit. Parce que je ne connais pas, je suis sur 1.45, j'ai essayé de voir un petit peu ce qu'il y avait. Et bon, ça change déjà beaucoup de choses, mais je pense qu'il y a des reshades qui sont encore mille fois mieux et qui donne encore plus de réalisme. Donc voilà, vous, ceux qui s'y connaissent en reshade, n'hésitez pas vraiment à me proposer également. Donc voilà, je vous ai demandé beaucoup de choses dans cette vidéo alors que ça fait 18 minutes qu'on est en record. J'espère que vous avez suivi, j'espère que vous avez répondu à mes questions. Et tel est le cas, peut-être que vous avez écrit plusieurs commentaires. Et dans ce cas là, merci pour le référencement. Mais donc voilà, j'ai hâte de vous lire et je compte sur vous. Les 200 pouces bleus bien sûr qui font toujours plaisir. On va pas chercher plus pour le moment, on va essayer de stabiliser. Ce sera déjà pas mal et je serai déjà bien content. Donc merci à vous, ça fait plaisir. Justement, ça me fait penser à hier soir. Hier soir j'étais en live sur Twitch, hein, comme tous les soirs, je le rappelle pour ceux qui veulent me rejoindre. Et encore une fois, merci à vous, je le rappelle parce que vous êtes encore et encore de plus en plus nombreux à venir me découvrir sur Twitch. Alors que vous venez du monde YouTube, du monde Eurotruck. Vous venez, vous faites l'effort de venir et puis finalement vous y restez. Vous êtes en mode ah finalement c'est pas mal. Oui, mais du coup oui, une fois que t'as franchi le pas, ah bah là tu comprends que c'est plutôt pas mal. Et je vous en remercie énormément. Après ça peut pas plaire à tout le monde, ça c'est normal. Mais ouais, hier soir j'étais en live et il y en avait justement un qui est venu pour me dire bon c'est quand la prochaine vidéo Eurotruck. Voilà, et je lui ai dit pas avant les 250 pouces bleus. Mais du coup j'ai rigolé et exprès le lendemain je vous fais la vidéo. Voilà, je suis en amour. Je suis en amour. Vous pouvez le dire. Donc voilà, en tout cas, c'est bien, on a descendu dans la cuvette, et là on est en train de remonter. Ah, c'est terrible. Ah, ça va être terrible, ce petit Renault. Oui, en effet, je prononce, j'ai toujours mal prononcé Mercedes. Oh, et bah je sais déjà plus. Parce que moi j'ai toujours dit Mercedes. Et vous dites il faut dire Mercedes. Mercedes. Mais non, parce que j'ai toujours dit Mercedes. Mais j'ai toujours dit Mercedes avant que vous me dites que c'était pas bon. Donc il faut le dire comment? Merde. Après moi j'ai fait la blague. La blague merde c'est la S.
Du coup, ça veut dire... Oh, je sais plus. Oh, j'en ai marre, parce que justement, je... Fox m'avait bien, cette fois-ci, bien redit. Mais même sur Discord, vous m'aviez envoyé une vidéo de prononciation. Attendez, faut que je la retrouve. Le téléphone au volant, de toute façon, on est bien, on a un camion devant nous, il va pas nous la faire à l'envers. Attendez, il faut que je retrouve la vidéo. Je vais aller sur le Discord. Il y a un abonné qui avait envoyé la prononciation, justement, de Mercedes. Donc je vais aller regarder ça. Ne faites pas ça chez vous, bien sûr, le téléphone au volant. Toi-même, tu sais. Hop là. Ça va être ici, je crois. Je vais la retrouver. Voilà. How to pronounce German car names. Comment prononcer les noms de marques allemandes pour les anglophobes. Et là, on va la voir. Évidemment, on a une pub. Ah, c'est terrible, les pubs. Non, mais je vais pas regarder 2 minutes de vidéo. Moi, je veux trouver... Moi, je veux trouver Mercedes. Next, Mercedes-Benz. Ah, this makes me sick. We're going to have to open a beer. Ah, elle va ouvrir une bière. Il a bien raison, mon pote. Mercedes. Mercedes-Benz. Mercedes. Voilà, Mercedes. Donc, c'est bien Mercedes. Mais, c'est bien merde. Merde. Cetes. Donc, Fox qui se fout de ma gueule quand je dis merde, bah, c'est bien merde. Mercedes. Mercedes. Mercedes Benz. Voilà, Mercedes. Donc c'est bien ça, Mercedes. S. Hop là, au dernier moment. Au dernier moment, le col des Auvergnats, bien connu bien sûr. On va voir une belle vue. On va, oh là là, on va voir une très 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 belle vue les amis. Ah là, on est très très bien. Là, on va être très très bien comme des cochons. On va passer par la gauche. Voilà. Oh oui. Oh oui, 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 Paris à 6000 km. Bien loin de nous. Loin des yeux, loin du cœur. Et bien sûr, là par contre, je reconnais, on était déjà passé par là, évidemment. Hop. Troisième ou quatrième cinématique de la vidéo, je ne sais plus. Quel plaisir. Le col des Auvergnats. Voilà, avec un bus qui passe à côté avec tous les touristes parisiens dedans, bien sûr. Le beau lac, ce serait quoi là, le lac d'Annecy, pourquoi pas, je ne sais pas. Ça pourrait être le lac d'Annecy, ça, dis-moi. Je ne sais pas. Je suis encore jamais allé à Annecy. Je suis dégoûté d'ailleurs parce que, petite parenthèse, j'aurais beaucoup aimé aller de nouveau. En gros, pour vous expliquer, cette année, j'ai acheté une vignette pour l'autoroute suisse, là, vous savez. Alors bon, pour être honnête, c'était un bon plan. Si j'ai fait ça, c'est pas pour rien. Mais du coup, je l'ai payé quand même. Et je l'ai toujours pas utilisé. J'ai toujours pas utilisé, j'ai jusqu'à jusqu'à la fin de l'année quoi. Toi-même tu sais, le problème c'est que je vais pas utiliser jusqu'à la fin, avant la fin de l'année. Voilà, donc je suis absolument dégoûté. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, c'est beau. C'est beau, regardez, je suis dans l'eau. Je nage carrément dans l'eau là. Oh, je suis un géant, mais t'as compris le bail. Voilà. C'est très un peu brumeux quand même. Hein. Tu sens qu'il fait un peu frais quand même en haut de la montagne. Voilà. On va peut-être passer la cinématique, hein. En vrai. En vrai. Parce que je pense que... À moins que la prochaine était incroyable, mais en vrai... En vrai, je pense qu'on a tout vu. Je pense qu'on a tout vu. Allez! On est reparti, monsieur, dame. Là, tout moment, tu vas sur le pont si t'en as... Si t'as envie de mettre fin à tes jours. On s'arrête, monsieur, derrière. C'est moi qui est prioritaire. Voilà, j'ai décrété que... J'ai décrété que... Et là, on va redescendre, du coup. Tout ce qu'on a monté, on va redescendre. Pour pouvoir remonter plus tard. Ça va être incroyable, hein. Hop. Alors là, si t'as cru que j'allais m'arrêter, mon pote, c'est mal me connaître. Gauche, c'est bon. Droite, c'est bon. Il y a la police. Non, non, attends, ça demande trop d'élan. Regarde, même le camion derrière, il s'arrête pas. C'est faux. C'est faux. Allez, on est reparti. Attention au nid de poule. On a un petit quart d'heure de route encore avec des beaux virages qui nous attendent. Bien sûr, la route est limitée à 80. Oh, j'ai vu une goutte sur mon pare-brise. J'ai vu une goutte sur mon pare-brise. Il va commencer à pleuvoir. Et ça va être intéressant, les amis, parce que oui, alors c'est très dangereux. Mais j'ai du coup installé un mode graphique, un nouveau mode cold rain. Apparemment, qui rend la pluie beaucoup plus belle, beaucoup plus intéressante. Donc ça va rester à voir. Vous avez vu le camion en face, comment il roule comme un foufou. Il roule comme moi.
Donc que personne vienne me... Y'a un radar. Y'a un radar, c'est 80. Hop. Ah non, c'est 90. C'est bon, je peux y aller. Allez. La petite feinte. La petite feinte. Donc voilà, les petites gouttelettes d'eau. Pour le moment, ça va. Pas besoin d'activer son essuie-glace. Hein. Écoutez. En vrai de vrai. 9 km qui nous attendent. On est plutôt pas mal. Faudra qu'on se refasse du convoi avec My Goodness et Fox du coup. Hein. Fox qui est de nouveau d'attaque là. Et bien sûr Fox et Miss. Hein. Faudra qu'on se refasse ça. Est-ce que j'ai tout dit de mes choses importantes notées là? Parce que j'ai un petit bloc-notes à mon côté où il y a vraiment les points importants. Donc notamment la vidéo de Fox que j'ai foiré, le reshade et la vidéo fin d'année. Et pour le reste, vous savez que je sors des conneries comme ça la one again. Je crois que j'ai tout dit sur les choses sérieuses. Qu'avons-nous là? Oh, ça y est, je peux zoomer avec ma souris de nouveau. Grill King! Oh! Après le fromage, j'ai envie de me faire un buffalo maintenant. J'ai envie de manger un gros hamburger. Mais un gros hamburger, pas du Burger King, qui sont excellents. Non! Un bon hamburger excellent plus plus du buffalo. Là, je peux peut-être mettre les essuie-glaces, hein, je pense. Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit d'aller à gauche. Ah oui! Oui, c'est bien ça. Ok, j'ai cru que je m'étais trompé. Très sympa ce rond-point. Très sympa. Alors là, je risque de perdre beaucoup d'adhérence, donc on va quand même faire gaffe. Et en effet, la pluie est sympa. La pluie est sympa. D'accord, oui, en fait, ça change sur le pare-brise l'effet de la pluie. C'est très intéressant. Après, je vois pas non plus autre grande différence. La pluie, ça reste toujours aussi chiant. Mais on a à peu près l'idée. On a à peu près l'idée. Ok. Là ça va être je crois un peu moins intéressant parce que c'est de la route principale, de la route nationale pour arriver Rivenchy et puis après Rivière Sens je crois. Voilà. Cette route on la connaît, je m'en souviens très bien. Voilà. Cette ligne droite je la connais. Ah, le feu vert! Le feu vert! La patte de l'expert! On est reparti, les amis! On est en train de traverser Rivenchy. Il nous reste 4 petits kilomètres tranquillement. Voilà, c'est intéressant. Je vous ai fait des petites cinématiques. J'espère que vous avez kiffé. Voilà, on essaye. Eh, j'ai pris 0 dégâts, les gars. J'ai pris 0 dégâts. Pourtant, j'ai failli cogner. J'ai failli faire du carton hein, en faisant mes petites cinématiques. Donc, je compte sur vous, évidemment. Hein. Mais voilà, là, on traverse Rivenchy. Bien sympathique. Bon, il pleut. Mais là, on se croirait du coup en Bretagne. Excusez-moi, je rigole. Non, non. Donc c'est bien sympa. Bah en Bretagne, en attendant il y avait des palmiers. Donc hein, pour le coup c'est vrai que bien stylé la Bretagne. Hein. Donc voilà. Voilà. 3 petits kilomètres à pied, ça use. 3 km à pied, ça use les souliers bien sûr. Et là on quitte directement Rivenchy pour entrer très rapidement à. Je dis Rivière Sens depuis tout à l'heure. Hein. Mince. Oups, pardon. Rivière Sens, mais c'est bel et bien Rivière Sens, c'est ça. C'est exactement ça les amis. Allez on trace. On trace. Je trace. Comme dirait Florent Pagny bien sûr. Je crois que j'ai déjà fait la blague dans la dernière vidéo, je suis désolé. Ça fait quand même une semaine que j'ai pas fait du Euro Truck, donc je pense que la blague passe. Ça y est, on commence à voir la ville s'approcher de nous. Et nous de la ville. Bien sûr. Avec une ferme sur la droite. Je pense. Le rond-point que j'ai pas du tout anticipé. Donc on freine tout doucement. Parce qu'il pleut. Et regardez la route, l'état de la route comme elle est humide. C'est bien fait hein. Je pense que le mode graphique y est pour quelque chose. Allez. Et encore une fois j'espère vraiment que la qualité elle est bonne sur la vidéo hein, parce que vous le savez dans tous les cas la vidéo ne reflète pas ce que je vois réellement. Déjà faut savoir que je joue en 2K mais la vidéo est en 1080 seulement. Voilà, je n'ai pas le choix parce que sinon bah, ça, y a tout qui est bugué. Donc voilà, on se contente de ça.
Rivière Sens, on y rentre. On fait que de la découverte là, donc c'est cool. Il m'a pas encore détecté qu'on est rentré dedans, mais en tout cas, on a passé le panneau. Petite station service sur la droite, bien sympa. Vraiment, je redécouvre. Hein. Rivière Sens, je sais qu'on l'a déjà passé plus d'une fois. Mais là, c'est vraiment différent. Alors, peut-être que je suis jamais passé de ce côté-là aussi. C'est pas impossible. Ok, donc là, on va aller tout droit. Alors, le camion, il tourne. Parfait. Parfait, les ronds-points bien adaptés, les giratoires. Bien adaptés pour nous, là. Centre-ville, église du 15e, si j'ai bien vu. Tac tac, bon, y a des points d'interrogation, on va pas s'y attarder cette fois-ci puisque de toute façon on a débloqué. En vrai sur la route du coup on a débloqué plein de nouveaux endroits. Donc du coup on a plein de nouveaux itinéraires qu'on va pouvoir faire, des nouveaux trajets, des nouvelles missions, donc c'est bien sympa. Le feu vert, oh non. Superbe. Superbe. On a rien vu hein. J'ai à peine drifté hein, vraiment. Rien de bien méchant. Non, c'est vrai que la pluie est bien rendue. Hop, dernière ligne droite. Et on est arrivé. Je me suis même pas renseigné sur l'entreprise. J'ai pas réussi à lire trois tragédies. Parce que on pourrait mourir, merci beaucoup. On est à Trasmatec, très bien. Eh ben big up. Eh ben on va écouter, on va... allez, franchement là je la sens pas. J'ai fait toutes les manœuvres jusqu'à présent. Je me permets de la simplifier. De toute façon je pense qu'au vu du trajet qu'on a fait et surtout aussi de la bonne conduite que j'ai eue, je pense qu'on passe un nouveau niveau. Je pense qu'on va passer un nouveau niveau. Salut pote. Hop. Oh, j'ai pilé net, laisse tomber. Et voilà toc. Bah voyons voir suspense, est-ce qu'on passe un nouveau niveau. 22 km 32 minutes, 11 litres 9, 523 euros, 25, 15, tac, 5. Oh, je me suis peut-être un peu enflammé. Ah oui, là je me suis largement enflammé. Encore, ça va, on a quand même gagné pas mal. Mais ouais, je me suis largement enflammé. Jusqu'à présent, on s'est encore pas donné de l'argent. Je vous rappelle qu'on s'autorise à se giver de l'argent et à cheater, puisque Grand Utopia nous l'oblige un petit peu, si je puis me permettre. Mais encore une fois, tu vois, pour le moment, on l'a pas encore fait. Mais on le fera, évidemment, très bientôt. Je pense qu'on pourra acheter de nouveaux camions. Mais on est pas mal avec les missions rapides. Donc voilà, j'espère que vous kiffez en tout cas jusqu'ici cette vidéo, cette aventure. Si c'est le cas, encore une fois, n'oubliez pas le pouce bleu. Je vous l'ai dit beaucoup de fois, donc je vais arrêter. J'aime pas du tout réclamer. En plus, vous savez que c'est pas mon genre. Je ne suis pas les youtubeurs 3.0. Donc je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures, c'était Mkolo, plein de bisous en live sur Twitch tous les soirs, il y en a bien qui se touchent à la musique bien sûr, allez l'écouter la musique, si vous savez pas de quoi je parle, il faut que vous l'écoutiez. Allez, des bisous, ciao tout le monde.